C'est Brandon Duvin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le DLC de la de comment il s'appelle d'Eurostar. Donc les nouvelles armes qu'on a, c'est fusil compact et le fusil double canon. Donc je les ai achetés, oui, juste avant, je les ai achetés. Oui, je crois que oui, c'est tout. Oui, on a que ça de nouveau. Donc ces fusils, il paraît que le fusil double canon est vraiment puissant. Voilà, c'est ce fusil. Le prix, je l'ai acheté, je sais pas combien, mais 14 000, faut avoir des sous quand même. Et alors le compact. Ben voilà, hein. Il coûte à peu près 15 000, donc voilà. Donc juste ouais, petite coupure pour voir le match. Donc on va aller voir les nouveaux véhicules. Hop. On va voir. Ah, tenue. Wow, classique. Donc voilà cette petite tenue. On va aller regarder. Hop. C'est pas mal les nouvelles tenues. Hop. Oh là. Oh là, après il n'y a rien d'autre. On va aller voir ici Léo. Oh, pousse. On a des costumes. Blouse en cuir. Y a personne? Je suis en vidéo, je t'explique. Voilà des vestes. Je sais pas s'ils sont dans le DLC ou je les ai débloqués. Voilà. Blouse. Voilà. Voilà. T-shirt. Travail, ouais. Oh, voilà. Hein. Après, les tenues, c'est pas. Si nous en. Aussi, il y a les véhicules. Donc, je verrai si je me les achète. Je pense pas. Mais pas tout de suite. Je vais pas me les acheter. Donc, on va y aller là. Dans le stockage. Chez Benny. Donc, voilà. Il y a ce véhicule transformé avant et après, je sais pas si on peut cliquer et après, donc il y a une sacrée différence. Donc voilà, on peut aller joli. Puis il y a elle aussi, avant, après, là avant, après, il n'y a pas trop de changements. Elle, c'est la coûte la plus chère. Après, il y a la Sultane, la Banshee, on l'avait vu. Oui, ça, on l'avait vu. Donc, après, les transformations coûtent assez cher. C'est vrai qu'elles coûtent assez cher, les transformations. Coûtent vraiment cher. Donc, j'espère que cette petite vidéo DLC vous aura plu. Moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao!